Bonjour à tous les Disney fans, c'est Rem pour DLP Next. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir 5 astuces pour passer un bien meilleur séjour que tous les autres visiteurs. Alors oubliez tout ce qui va être Fastpass et Extra Magic Hour, on n'est pas là pour donner des petits conseils qui servent à rien. Aujourd'hui, on va voir 5 vrais conseils pour passer un excellent séjour. Conseil numéro 1, je vous conseille fortement de ramener votre propre alcool sur le parc. En effet, la consommation d'alcool n'est pas limitée sur le parc, mais quasiment aucun alcool n'est vendu. Je vous conseille donc de ramener votre propre alcool afin de passer un bien meilleur séjour entouré de tous ces enfants qui crient. En effet, vous avez remarqué que beaucoup de fans portent des oreilles sur la tête. Je me suis donc inspiré de cette technologie pour vous proposer un tout nouveau produit qui va vous faire passer un bien meilleur séjour, et ça consiste en ma première astuce. Acheter un casque à bière. En effet, ces casques vont vous permettre de passer incognito au milieu de tous les Disney fans et vous permettre de consommer un maximum d'alcool et de passer donc un bien meilleur séjour. Cette astuce s'adresse bien entendu aux 7 à 77 ans puisque cela peut permettre de calmer les enfants comme de calmer les personnes âgées. C'est une astuce qui fonctionne vraiment pour tout le monde et que je vous recommande énormément. Conseil numéro 2 maintenant, je vais vous apprendre un peu à gagner de l'argent à Disneyland Paris. En effet, Disneyland est bien connu pour être une destination extrêmement chère et il conviendrait donc de rentabiliser un minimum son entrée. Comment va-t-on faire, allez-vous me dire? Eh ben c'est très simple. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans de nombreux bassins, les gens s'amusent à jeter de l'argent. Apparemment, ça porte bonheur, mais ça va surtout vous porter bonheur à vous, puisque je vous conseille de ramener une canne à pêche avec un aimant. En effet, l'aimant va permettre d'attirer un maximum de pièces. Je vous ai déjà parlé de toute l'aimantation dans ma vidéo précédente, que je vous invite à aller voir tout de suite. Et cet aimant vous permettra du coup de récolter un maximum de pièces, notamment de 50 centimes, de 20 centimes, mais petite fortune par petite fortune, vous allez ainsi rentabiliser votre séjour en entier. Je vous conseillerai donc les spots de Small World, ainsi que la rivière qui traverse Fantasyland, puisqu'en effet de nombreuses personnes trouvent ça amusant de jeter de l'argent dedans, argent que vous allez bien entendu récolter afin de rentabiliser votre séjour et votre voyage. Petit bonus pour cette astuce, je vous invite à suivre sur Instagram John Color, puisque cet Instagrammeur est assez connu pour ses fameuses stories où il jette des pièces dans la petite fontaine à l'intérieur du château de la Belle au Bois Dormant, et à chaque séjour quasiment, il vient déposer une petite pièce. L'astuce consiste donc à repérer les séjours où il se rend au parc Disneyland, à le suivre bien sûr discrètement, et au moment où il insère sa pièce dans la fontaine, venir par derrière, prendre la pièce et le remercier. C'est donc avec des astuces comme ça que vous allez pouvoir facilement rentabiliser vos voyages et ainsi ne plus être complètement fauché après un week-end de 4 jours à Disneyland Paris. Ne me remerciez pas, mais remerciez John Color de vous donner tout cet argent. Avec cette astuce, nous avons donc vu comment gagner un peu d'argent à Disneyland Paris, et maintenant nous allons voir comment gagner beaucoup de temps. En effet, il y a moyen de couper un maximum de fils sans vraiment importuner les autres personnes. Conseil donc numéro 3, je vous invite à acheter un enfant sur internet afin de le faire passer pour votre fils et d'attirer l'attention de tous les personnages Disney sur vous. En effet, un jeune enfant ne coûte pas très cher sur le marché noir, il conviendrait donc d'en acheter un assez rapidement afin de se rendre avec lui sur le parc. De plus, les séjours sont gratuits pour les moins de 6 ans, vous pourrez donc le revendre une fois cet âge passé, mais profiter des bénéfices pendant environ 3 à 4 ans. Cela dépend de l'âge à laquelle vous réussissez à trouver votre enfant d'occasion. Mais je vous invite du coup à le faire, puisque cela permettra de vous familiariser avec le métier de parent, et en même temps de bénéficier d'un maximum d'avantages à Disneyland Paris, puisque les personnages sont toujours beaucoup plus sensibles avec les enfants, et seront donc plus attentionnés envers vous, et c'est ce qui compte le plus. Les enfants vous permettront également de faire coupe-fil, en effet Disneyland Paris permet de faire du baby switch. Baby switch que vous allez du coup acheter, puisque vous allez acheter le baby. Et ce baby switch vous permettra du coup de faire une attraction avec votre enfant, de jeter l'enfant dans l'eau et d'aller retourner faire l'attraction avec votre femme. Cela permettra du coup de doubler chacune de vos attractions. Je pense que vraiment c'est un sacré gain de temps, et avec le monde qu'il y a actuellement à Disneyland Paris, ce n'est surtout pas du luxe. Puisqu'en effet, si vous y allez normalement, vous pouvez faire entre 45 et 50 minutes par attraction. Là, vous doublez du coup votre efficacité. Ne me remerciez pas. Astuce numéro 4, cette fois-ci encore une fois pour gagner du temps, je vous invite à ne surtout pas faire les files d'attente pour les personnages à Disneyland Paris. En effet, dès qu'un personnage sort, il y a tout de suite une file d'attente de 45 minutes qui se forme juste devant lui. Alors soit vous êtes chanceux et vous êtes juste devant, soit vous ne l'êtes pas et vous attendez 45 minutes pour faire un câlin à une peluche. Dans ce cas-là, je vous conseille de réagir tout autrement et d'attendre la fin du meeting avec le personnage. Une fois que le personnage va commencer à partir de son emplacement, allez le suivre discrètement. Si vous êtes gentil, il vous fera même quelques petites interactions, peut-être des petites photos, des choses comme ça. Et je vous invite à continuer à le suivre. L'astuce est donc d'être le plus discret possible pour le suivre tout le long, jusque dans les backstage. A savoir que si vous n'êtes pas assez discret, vous risquez de rencontrer d'autres problèmes, mais nous en parlerons dans une autre vidéo.
Ainsi, vous bénéficierez d'une rencontre personnelle avec les personnages. En effet, une fois partis dans les backstage, tous les personnages se réunissent entre eux pour faire une pause café, et si vous êtes même chanceux, vous allez pouvoir rencontrer le staff de sécurité qui ne sort que très rarement sur le parc, seulement lors de soirées très spéciales. Ainsi, vous allez pouvoir voir des personnages très rares, qui est le cast de sécurité, ainsi que tous les personnages de Disneyland Paris. Cela est vraiment un plus pour vos visites à Disneyland Paris, puisqu'en effet, vous allez pouvoir avoir des rencontres exclusives avec des personnages, des choses que très peu de personnes font, et ainsi, du coup, profiter au mieux de votre séjour. Et nous arrivons déjà à la toute dernière astuce, mais cette astuce est très importante puisque je vais vous apprendre à vivre au mieux le spectacle de clôture de Disneyland Paris, Disney Illumination. En effet, lors de ce dernier spectacle de nuit, vous allez pouvoir voir de nombreuses personnes sortir leur téléphone, voire leur tablette pour filmer le show. À savoir que ce n'est pas très efficace puisqu'un téléphone n'a pas une très bonne qualité vidéo. En effet, vous avez pu voir sur ce tout petit écran que la qualité est assez médiocre. Ceux avec des tablettes, quant à eux, ont une bien meilleure qualité vidéo puisque l'écran est bien plus grand. On voit donc bien mieux le spectacle. Mon conseil va donc de devoir dépasser ses limites et de ramener du coup un PC portable type MacBook par exemple. En effet, les MacBook bénéficient donc d'une webcam qui vous permettra donc, si vous le tournez vers le château, de correctement filmer le spectacle. Ainsi, vous aurez un rendu en direct sur votre écran de PC. Petit bémol, l'écran PC sera retourné vers le château, vous ne verrez donc pas forcément ce que vous filmez. J'ai donc trouvé une petite astuce pour parer à cela. Il s'agit donc de prendre un petit câble HDMI ainsi qu'une télé afin de brancher le PC portable directement sur une télé afin d'avoir un rendu de ce que vous filmez. De plus, la télé ayant un écran bien plus grand que le MacBook, vous allez pouvoir avoir un bien meilleur rendu de votre vidéo. Petit bonus pour ceux qui ont conservé leur enfant acheté sur internet, vous pouvez mettre cet enfant sur vos épaules et le faire porter la télé ainsi que le MacBook, permettant ainsi d'avoir un point de vue plus élevé et d'avoir vraiment une vue plus globale sur le spectacle. Vous allez ainsi avoir vraiment des vidéos très mémorables que vous allez pouvoir montrer à toute votre famille au moins une fois. Suite à cela, vous allez sûrement pouvoir supprimer la vidéo puisque vous n'allez plus jamais la regarder. Mais au moins, vous allez avoir un souvenir qui vraiment, sur le coup, est très marquant et que vous allez être les seuls à avoir puisque très peu sont les personnes qui connaissent cette astuce. J'espère qu'avec cette vidéo, cette astuce ne va pas trop se répandre puisqu'en effet, nous sommes qu'un petit comité à utiliser cette astuce et il conviendrait donc de ne pas trop gêner les autres utilisateurs avec vraiment beaucoup moins de moyens qui filment eux avec leur téléphone, voire leur caméra. Je sais pas vraiment avec quoi ils filment, ils pensent faire de la bonne vidéo, mais ils n'ont pas les vraies astuces que nous délivrons ici sur DLP Next. C'est fini pour ces 5 astuces. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire laquelle a le mieux fonctionné pour vous et si vous avez d'autres astuces à nous recommander. Les meilleures, nous allons peut-être les récolter et refaire une vidéo par la suite. Bien que déjà avec les 5 là, je pense qu'il y a de quoi passer un super séjour. N'hésitez surtout pas à laisser un petit like sur la vidéo si elle vous a plu et si elle vous a été utile surtout. N'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre sur Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, partout. C'était Rem pour DLP Next, à la prochaine.